Avant de commencer la vidéo aujourd'hui, il y a une question très simple. Si tu es en place habite là, et si tu es en place joueur, et si tu es en place gardien, qui est-ce que tu as fait dans cette situation ça? En prenant exemple, si habite là, tu as sifflé que le ballon n'est pas goal, et qu'on y a l'air rentré dans le camp, qui ça pour le faire? Et gardien, qu'on y a quitté que tu as pensé que boule la sortie de yo. Dans la place, qui est-ce que tu as senti? Mettez opinion pour vous en commentaire. Bonjour à tout le monde, c'est un plaisir pour entrer dans la caméra avec tout ça qui a dominé l'actualité football là. Nous avons un pays Angleterre, mais plusieurs clubs qui ont repris l'entraînement. Si nous avons exemple équipe Liverpool, qui ont repris l'entraînement, tout le bagage est normal. Nous avons même l'équipe Chelsea à tout. Mais quand même, nous avons tourné avec l'équipe État de Milan, côté que José Mourinho nous fait une déclaration sous l'équipe ça, côté que il était passé là-dedans, il était fait tripler. Et nous avons encore un pays l'Espagne, et bien avenir tester gagner, mais qui est fixé dans l'équipe FC Barcelone. Nous avons venu avec un pile de détails pour vous, surtout avec plusieurs belles goals, mes amis, pour faire comparaison dans la fin vidéo. Vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin pour connaître tout ce qui a dominé l'actualité football là, et surtout pour regarder les belles goals qui ont passé dans le monde football là, que peut-être même on pas de chance pour vivre un match football côté goals qui ont même été fait. Avant de venir détailler mes amis, dans la place partenaire qui prend toute fin de jam, dis-nous qui sont à faire. Après match salien, il fini, ou du moins pendant que monsieur a bon fin de jam, qui sont à faire. Gardez bien pour mes amis, et puis mettez opinion pour nous en commentaire. Qui sont à faire, monsieur qui a bon toute fin de jam? On va commencer la vidéo par ça dans le pays. Angleterre avec le journal Daily Mirror qui mettait à la une, et bien superstar Watford, la ligne qui s'est marié à part, et monsieur qui testait positif en ma maladie, à monsieur qui déclarait lui faire qu'on est que le pas comment le faire pour la maladie ça, parce qu'il n'est pas jamais sorti à la fête. Celle qui a fait c'est seulement avec Timouni et surtout il a mérité la cali tout le temps. Donc il n'est pas contre comment maladie a fait arriver sur lui. Donc il y a un voir qui a fait un pile parler, un pile nous connaît que un pile joueur ça arrivé tous mes amis, il n'est pas sorti, il y a un pile monde ça arrivé tout. Donc ça a une grande question sur comment maladie ça a été propagée. Et puis, vous avez parlé du journal Daily Star, il a mis à la une. Mais Manchester United a tête fait mal, mes amis, parce qu'il doit 23 millions de livres sterling. Donc, c'est vraiment un pile d'argent, mes amis, que dette lui monte là. Et nous connaissons qu'il n'est pas qualifié pour la Ligue des Champions. Et c'est vraiment un pile ready. Donc, pour Kaba Kimbe dans le championnat, mes amis. Donc, Manchester United qui part passer une bonne saison. Et surtout, Kaba Daily Star a mis à la une. Mais Manchester United a gagné 23 millions tête fait mal. Et pendant ce temps-là, mesdames et messieurs, mes joueurs sud-coréens, lui-même, sont nous connaissons qui participé à l'entraînement militaire dans le pays, dans le service militaire dans le pays, qui sont obligatoires. Monsieur qui est entré dans le pays Angleterre et qui a commencé l'entraînement individuel, je vous regarde dans la vidéo ça là. Donc c'est vraiment une très bonne nouvelle. Là, nous connaissons que monsieur sont joueurs qui vraiment discipliné. Donc un monsieur qui est rentré sous terrain, qui est à faire entraînement individuel. Donc une très bonne nouvelle, mes amis, pour Son Wongmin, lui-même, qui est là à préparer là, pour toute saison dans le pays Angleterre. Toujours dans le pays Angleterre, mais l'équipe Liverpool là, lui-même, lui déjà reprend entraînement. Je vais regarder dans ce petit écran là, mes amis. Donc, à toute baraguette correct, c'est entraînement individuel qui a fait là pour un entraînement en groupe. Mais quand même, toute baraguette vraiment pour aller là à petit pas pour le championnat de l'équipe pour reprendre. Nous connaissons que Liverpool lui-même, si tu as campé là, ça fait vraiment mal. Ça fait 30 ans pour le championnat, mes amis. Donc, il est sous bonne route là pour le championnat. Donc, c'est vraiment une très bonne nouvelle pour le pays Angleterre, surtout pour l'équipe Liverpool. Nous pourrons aller dans le pays la France avec l'équipe qui mettait à la une. Quand retournerons-nous au stade? Donc c'est ça tout fanatique qui m'a demandé là actuellement qui est capable d'aller dans le stade encore pour regarder un match de football. Donc c'est vraiment un bagage qui est difficile dans le moment ça. On connaît que qui sa pandémie a fait dans le monde là. Donc je ça qui fait connaître que eh bien, El Kalai Fili même lui vraiment là fâché sous cadre lio. Nous connaissons que les pour imposer une réduction salaire. Eh bien, en pile, je ne veux pas faire descendre salaire. Surtout le capitaine Thiago Silva lui-même n'y parle de bagaille ça. Donc lui-même n'est pas bien positionné pour descendre salaire pas. Et en pile dans le cadre, je ne veux pas descendre salaire. Donc il y a qui vraiment fait un pile parler en pile dans l'équipe Paris Saint-Germain. Ça qui vraiment irrité El Kalai Fili même qui est président Paris Saint-Germain. Avant que nous ne plus dans la vidéo, ça, mes amis, quittez-nous pour songer pour mettre un like en bas de la vidéo. Si vous faites ça, et si vous faites ça, qui soit attendre, mes amis, nous remercions chaque monde qui a mis un like en bas de la vidéo. Et si vous voulez faire ensemble avec nous, bienvenue dans la famille. Pas oublier de cliquer sur le bouton rouge qui est en bas de la vidéo pour vous abonner et activer la notification pour ne pas rater la prochaine vidéo. Nous allons mettre soit sur l'actualité football, je vais faire aujourd'hui à la ou bientôt sur une belle application à besoin pour téléphone. Nous d'ailleurs, vous avez une pile vidéo que vous avez sur YouTube, mes amis, pour vous chercher pour avoir une application qui est convenable pour téléphone. Nous parlons dans le pays italien avec le journal Corriere dello Sport qui mettait à la une. Eh bien, syndicat joueur là qui est vraiment fâché contre la fédération. Mais il fait qu'on est que les gagnants équipe qui peut même payer tout joueur. Donc, il faut quand même verser salaire normal avec joueur. Et il a pensé pour reprendre le championnat. C'est vrai que dans le pays italien, nous avons mis sur bonne route pour reprendre le championnat. Mais quand même, il y a un petit chiripit qui a fait toujours là. Donc, surtout sous question salaire.
Et bon, quand tu parles de Juventus, il fait qu'on est que tout joueur qui est entré dans le pays italien, surtout Juventus qui est gagné, tout joueur qui est dans le pays, qui a commencé à entraîner. Mais quand même, Avin Higuain, il y a beaucoup de certaines équipes à côté que nous connaissons, River Plate, il est vraiment intéressant ensemble avec lui. Pourquoi pas dans la Premier League, là, dans MLS, là, tout un petit club qui est intéressant ensemble avec lui. Quand même, Higuain qui peut qu'on avenir certain, il peut qu'on j'aime décider qui ça pourra le faire. Donc, ça fait limiter à la une. Higuain in, Higuain out. Est-ce que Higuain a prêté? Est-ce qu'elle pourra aller? Son vrai qui vraiment a fait, y a-t-il parlé en pile? Bon, quand tu parles du papier rosa lui-même, il mettait des déclarations de José Mourinho lui-même 10 ans après que le club fait tripler avec l'équipe Inter de Milan. Et monsieur qui fait connaître que le grand amour pour le club ça, et fait connaître que secret lui-même depuis le dernier fin éliminé Barcelone en demi-finale 3-2 en 2010. Donc l'idée était qu'on ait que gagné la Ligue des Champions. Et José Mourinho qui fait connaître que c'était un meilleur moment dans la ville, l'étape entraîné équipe Inter de Milan. Est-ce que nous avons une chance pour nous faire José Mourinho sous banc Inter de Milan encore? Donc c'est une question en plus qu'on a posé, mais quand même, il quitte les portes là. Ouvrir le fait qu'on est que Inter de Milan vraiment un madame spécial pour José Mourinho. Nous parlons qu'on a un pays l'Espagne avec le journal Sport qui mettait à la une test débloqué. Mais journal qui fait qu'on est que mes gardiens saliens qui était vraiment en pile différence, en pile indifférence disons avec l'équipe FC Barcelone. Mais définitivement donc il commence à faire t'y parler, t'y rapprocher. Le journal qui fait qu'on est que capable de signer un contrat qui allait jusqu'à 2025. Et gardien qui a vu l'argent la monter chaque année donc progressivement. Donc c'est ça que le journal Sport qui fait qu'on est matin là. Donc à avenir testé gain qui parce que certaines équipes FC Barcelone après que il était gain envie pour dans l'équipe Bayern de Munich là, mais quand même Manuel renouvelé contrat jusqu'en 2023. Donc à monsieur qui vient presque dans obligation pour qu'il renouveler avec l'équipe FC Barcelone. Même je ça qui fait qu'on est que mais longtemps annoncé sur le départ mais Edison Cavani lui-même qui se joue Paris Saint-Germain actuellement les Cavaliers jeune Inter de Milan. Donc Inter de Milan qui commence à négocier là avec Cavani pour capable venir dans l'équipe ça, pour capable prendre place Icardi lui-même qui était dans l'équipe ça et surtout Lautaro Martinez qui t'a supposé sortir. Donc nous connaissons que Paris Saint-Germain qui supposé lever clause libératoire Icardi dans la semaine qui a venu là, mais quand même Lautaro Martinez t'a supposé sortir. Même je qui fait qu'on est que mais Cavani lui-même qui a entré dans l'équipe Inter de Milan. Bon, côté pas dans l'édition, là, mais journal, Mundo Deportivo, il fait qu'on est que Barcelone en tête chargée, là. Côté quelques 35 joueurs en tout, dans l'équipe, là, mes amis, en pile, joueur, là, supposé quitter l'équipe, ça, mes amis. Il y a un barrage qui va vraiment tête fait mal avec dirigeants et surtout entraîneurs équipe, yo. Journal, là, qui continue pour le faire qu'on est que, eh bien, club, t'as supposé rajeunir toute équipe, yo, et surtout réduire masse salariale, là. Donc, c'est vraiment un pile barrage qui a parlé dans l'équipe, ça, mais c'est vraiment tête chargée, ni pour Zidane, ni pour Setien, et surtout, ni pour Bartomeu, ni pour Florentino Pérez, donc, tête chargée, tout côté. Dans l'équipe Real de Madrid là et surtout dans l'équipe FC Barcelone qui a trois joueurs dans l'équipe. Et bien la première édition, le journal Les Sportifs mettait à la une Ivan Rakitic le transférable. Nous connaissons bien Croate là lui-même qui parle dans une situation qui est vraiment bien l'équipe Barcelone. Donc Les Sportifs mettait à la une, et bien monsieur qui a transféré dans l'équipe ça, monsieur qui a supposé sortir dans l'équipe là. Et bien si Ivan Rakitic n'est pas transférable, mais Les Sportifs lui mettait à la une, je dis à la que et bien De Jong lui-même lui son joueur sacré dans l'équipe ça. Monsieur fait partie de liste 3 joueurs qui vraiment intouchables dans l'équipe là, qui pas fait yon Paquita, yon Panago. Donc monsieur son joueur qui vraiment protagoniste et ligue identité Barcelone dans l'île selon l'équipe Les Sportifs. Dans la première édition du journal As, beaucoup de parler de mettre à la une opération Manchester. Mais il fait connaître que Zidane a préparé Joël avec un seul objectif qui c'est battre Manchester United dans le retour là, nous avons dit dans la Ligue des Champions, en mois d'août là. Monsieur qui fait connaître que en aller nous allons essayer pour nous gagner un bagage. Ça fait partie de ADN club là, donc il faut que nous gagnions. Et dans l'édition aujourd'hui, Bernardo Silva n'a pas pris le temps pour te répondre Zidane. Il fait qu'on est que jouer contre City, c'est pas un bagage qui est facile. Donc il fait qu'on est que pas aucune équipe qui a plus d'expérience que Real de Madrid dans la Ligue des Champions. Mais avec Guardiola, donc monsieur toujours changé de tactique à chaque match. Il a été posé la question sur Jean-Félix qui s'est contemporain de l'équipe Atlético de Madrid là, que Atlético te paye un pile cop pour te prendre. Il fait qu'on est que oui. Donc monsieur Vaucob là, il a un pile talent pour ça. Et il fait qu'on est que il n'y a pas de prendre Real Madrid à la légère parce que c'est une équipe qui a un pile expérience. Juste avant nous aller mes amis qui te nous présentent deux belles goals. Et mes premières c'est goal Rooney lui-même était marqué pour Manchester United. Je vais regarder là un superbe goal mes amis, un superbe bicyclette de 1 à 10 qui nous tombe pour goal ça mes amis. Et pas oublier nous venir avec deux goals pour comparer. Deuxième goal lui-même c'est un goal que Falcao lui-même joué le Falcon. Monsieur il a joué dans le pays Colombie. Donc nous avons dit goal ça qui nous tombe pour lui de 1 à 10 qui nous tombe pour goal ça. Et en deux goals ça nous tombe pour qui est-ce qui est plus belle. Mettez opinion pour nous en commentaire. Et troisième goal là, c'est Mati lui-même qui était lobé un gardien avec un talonnage. Vous avez regardé à la mes amis, un super goal de 1 à 10 qui ont tombé pour goal ça. Et dans trois goals, nous autres montrer là, qui est-ce qui est plus belle. Donc, entre goal Rooney, là, goal Mati avec goal Falcao, qui est-ce qui est plus belle. Mettez opinion pour nous en commentaire.
C'était vraiment un plaisir pour vous de vidéo ça pour mes amis qui étaient nouveaux. Merci à chaque monde qui a regardé la vidéo ça jusqu'à la fin. Pas oublier juste avant, allez mettre un like en bas la vidéo si vous trouvez ça. Et pas oublier mes amis, si vous êtes avec nous, cliquez sur le bouton rouge dans la vidéo, abonnez et activez la notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Que t'as nous à la prochaine vidéo. Que bon j'ai bénin. Pas oublier mes amis, préparez nos utilisations qui est essentielle.